bien, et ben voilà, aujourd'hui, alors hier on était à Red Rock Canyon, et aujourd'hui on est toujours à côté de Las Vegas, on est à peu près à 40 miles de Las Vegas, ça veut dire une demi-heure du centre de Las Vegas, et nous sommes à 2900 mètres d'altitude sur une station de ski au mont Charleston, au-dessus de Las Vegas, et vraiment c'est magnifique. Il y a des pistes vraiment incroyables, et aussi, eh bien, comme vous pouvez voir, eh bien, derrière moi, les remontées mécaniques fonctionnent. En fait, ils n'ont pas fermé les stations de ski. Sean m'a rejoint. Coucou. Alors Sean, on va faire du ski? Malheureusement, on n'a pas les skis, on n'a pas l'équipement. Ben oui, on n'a pas l'équipement, mais on le sait pour la prochaine fois. Qui aurait cru qu'à Las Vegas, on pouvait faire du ski? Qui l'aurait cru? Eh ben moi, en tout cas, j'aurais pas cru. Voilà. Allez, à plus tard. Vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu courte, mais enfin qui vous montre que à Las Vegas, quand l'été il fait près de 50 degrés et que là en ce moment, bon, il fait à peu près entre 15 et 20 degrés à 1000 mètres d'altitude à Las Vegas, parce que Las Vegas est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et bien ici, nous sommes à 2900 mètres d'altitude, il y a de la neige, il fait pas trop froid. Il doit faire à peu près 5 degrés, mais la nuit, ça tombe. Hein. C'est, parce qu'on est quand même malgré tout dans le désert. Et voilà. Donc moi, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce comme ça. Vous pouvez laisser des commentaires. Et toujours pareil, si vous passez par Las Vegas, à cette époque,
Bien sûr, pendant l'hiver, eh bien, vous pouvez faire du ski à peu près une demi-heure de Las Vegas. Voilà, bye.